Et salut camarade, la nouvelle vient tout juste de tomber sur Hades 2, la date de sortie approximative, mais au moins on va enfin en savoir plus sur la suite du premier opus. Alors bien sûr, je vais pas tourner autour du pot, mais si comme moi vous aviez adoré le premier opus dont j'ai eu l'occasion de vous parler à plusieurs reprises, la date de sortie de l'accès anticipé a été repoussée. Initialement c'était fin 2023 et là il faudra attendre le second trimestre 2024. C'est-à-dire qu'on pourra mettre les mains sur l'accès anticipé entre avril et juin de l'année prochaine. A noter qu'il y aura une alpha technique et quelques joueurs pourront participer à cette alpha, donc n'hésitez pas à aller postuler. Pour l'instant, ils n'ont pas encore précisé comment, mais ils indiquent qu'ils donneront plus d'informations pour les personnes qui sont intéressées pour tenter cette fameuse alpha. Donc l'idée sur cet accès anticipé, c'est d'avoir au moins autant de contenu que sur l'accès anticipé de Hades 1. C'est pour ça qu'ils ont repoussé cette date de sortie. Ils souhaitent que dès la sortie de l'accès anticipé, on puisse avoir un jeu digne de ce nom qui mérite de s'y intéresser. Ce fameux accès anticipé sera bien sûr alimenté au fur et à mesure avec des mises à jour sur l'histoire, les personnages, les relations, etc. Et même si on n'a pas d'ordre d'idée pour une sortie définitive de Hades 2, gardez en tête que le premier opus c'était un petit peu moins de 2 ans d'accès anticipé, ce qui voudrait dire une sortie potentielle pour fin 2025, début 2026. Donc autant vous dire qu'il faudra s'armer de patience, mais personnellement je préfère quand même attendre un jeu de qualité plutôt qu'il sorte trop tôt, donc à voir ce que va nous promettre Hades 2. En tout cas, n'hésitez pas à indiquer dans les commentaires si vous attendez ce jeu de pied ferme et si vous allez participer à l'accès anticipé ou si vous êtes plutôt à attendre la sortie définitive.